L'Irlande légalise par erreur une centaine de drogues durant 24 heures. En cause, une simple affaire de stupéfiants. Un homme est accusé de possession de méphédrone, un stimulant synthétique. Mais il porte plainte auprès de la cour d'appel de Dublin en 2012, car selon lui, la substance en question a été ajoutée à la liste des produits interdits l'année précédente, mais sans l'accord du Parlement. Mardi, la cour d'appel lui donne raison. Les juges estiment que l'ajout de 2011 est inconstitutionnel. Le problème, c'est que la méphédrone n'est qu'une des multiples substances déclarées illégales par le gouvernement il y a 4 ans. Du coup, tous les produits interdits à ce moment-là, dont la kétamine et l'ecstasy, sont de facto devenus licites. Un revirement que le Parlement s'est empressé de rectifier pour interdire à nouveau dès aujourd'hui toutes ces drogues.